après la fin de Laudanum en 2010 et se dire que c'est plus jamais ça, ben en fait si, on va en faire un quatrième et puis on va essayer de contacter les intouchables, les gens que j'aime, des gens que j'ai jamais rencontrés, mais des gens avec qui je rêverais de travailler, et puis tant pis si je me prends des portes dans la gueule. Et puis aussi de revenir à un son comme ce que je faisais au tout début de l'Odanum, donc un son plus basique, roots, organique, vintage, old school, abstract. Donc là, j'ai chargé la session du morceau Beauty of a Shadow, un morceau que j'ai fait avec Marie Delta. C'est le morceau qui ouvre le troisième volume du nouvel album de Laudanum. Donc ce morceau, il est parti d'une construction. Enfin, il y avait une idée de voix dès le départ, mais il est parti d'une construction autour d'un sample. Là, encore une fois, un peu orienté dans l'esprit de Portishead, quoi. Enfin, vraiment très vintage. Donc, qui est ce sample de base? C'est Jerry Goldsmith. Toute la structure mélodique a été construite un peu autour de ça. Là, on est sur une des versions quasi finales avant le mix. Ça a passé par de multiples étapes. Et puis bah, voilà, j'ai eu cette idée de collaboration avec Marie Delta, dont j'avais découvert l'album quelques mois auparavant et que j'écoutais en boucle. Donc je ne la connaissais pas du tout, je l'ai contactée pour travailler sur le morceau. Je lui ai envoyé le morceau, que ça lui a beaucoup plu. Après, je m'éloignais pas trop de son univers en allant avec cette chanson, mais je pensais vraiment que du coup, elle avait toute sa place dessus. Donc voilà, et après des échanges réguliers et pendant plusieurs mois, bah, elle a enregistré ses voix. Et donc quelques temps plus tard, j'ai eu la joie de recevoir ça. Voilà. Là, on va écouter juste un bout du refrain, mais c'est toute une chanson. Face the beauty of the shadow. Voilà, et puis bah, c'est ce qui m'a donné après l'idée d'ajouter un petit quatuor à cordes. Donc on va se le repasser pour le plaisir juste avec. Voilà. L'idée, c'est le chant, hein, c'est d'avoir. Moi, je m'occupe des instrumentaux, je propose des instrumentaux que j'ai composés en pensant aux gens, en pensant à cette liste de personnes. Et donc voilà, bonjour, salut, c'est moi, vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mathieu, j'ai déjà fait ça, ça, ça avant, et voilà l'instru que j'ai fait en pensant à vous. Ça vous dirait qu'on fasse quelque chose tous les deux, quoi. C'est les montagnes russes, en fait. Évidemment, forcément, en fonction des personnalités, du temps des gens, de la disponibilité, des projets qu'ils peuvent avoir en ce moment, chacun a une façon différente de répondre.
ou de ne pas répondre. Donc pour ceux qui répondent, j'ai tout. J'ai des gens qui répondent dans la journée pour dire que c'est non et c'est un petit peu rapidement expédié. Donc bon, cela, on comprend qu'il ne faut pas insister. J'ai ceux qui répondent assez rapidement, mais plutôt de façon élégante. Alors en Angleterre, on retrouve un peu des schémas dans la façon de faire. On voit qu'ils doivent être habitués à être sollicités. Donc eux, ils te disent que le morceau est super, mais qu'en fonction de leur agenda, ça va être difficile de le caler au milieu de toutes les sollicitations qu'ils ont déjà. Et donc voilà, caser l'écriture d'un morceau, c'est pas possible. Ou des gens qui sont en train de composer eux aussi, qui veulent pas se permettre de se déconcentrer en allant travailler sur autre chose. Donc voilà, ça c'est toujours assez élégamment dit. Voilà, il y a le cas de gens qui disent carrément que c'est comme ça, il n'y a pas de featuring, ça, ils font pas, eux, leur projet, c'est leur projet, ils veulent maîtriser tout le process de A à Z, de l'écriture aux arrangements, et que donc du coup, voilà, la collaboration n'a pas de sens pour eux. Il y a des gens qui sont proprement étonnés eux-mêmes de répondre en disant « mais j'ai jamais fait ça, mais le morceau me plaît vachement, et donc... Why not? Si on essayait, je te garantis rien. Mais j'y vais y penser, j'y travaille, donc voilà. Il y a des espèces d'extraterrestres qui leur disent, je vais te proposer un morceau, et puis en fait, le soir même, ils t'envoient une proposition, quoi. Donc dans les 8 heures qui suivent, t'as déjà un brouillon qui arrive par mail, quoi. Donc ça, c'est assez improbable. Complicite avec Alice Hubble, le texte est arrivé dans les 2 jours et la chanson était pour ainsi dire finie dans la semaine. Ça n'a pas été le cas, loin de là, pour certains autres.